s'appelle Chatmel. Salut tout le monde. Salut. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Danae de la chaîne Danae Makeup. Aujourd'hui on va tester des produits américains. On a reçu le colis ce matin que j'ai commandé sur le site American Market. Avec l'accent. Et Danae elle en peut plus parce que ça fait depuis ce matin qu'elle a envie de l'ouvrir. Parce qu'il a été livré chez moi, donc voilà. Mais je tiens à préciser, c'est pas un partenariat ni rien, donc voilà, on vous laisse avec la suite de la vidéo. Comment s'appelle votre vidéo? Quoi? Comment s'appelle votre vidéo? Dégustation qui tourne au vinaigre. Oh my god, I put my pants on inside out. I couldn't tell cause the lights were out. I'll beat the sunrise again. Oh. J'ai l'honneur de l'ouvrir. Vas-y, ouvre ma chatte. Oula. Danae est bricoleuse. T'es dangereuse, hein. Aïe. Oh, attends, j'ai coupé ça en. Il a fallu couper les produits. Bref, alors. On a en tout combien de produits? Attends, on a combien de produits? On sait pas. Attends, 13, attends. Bon, vas-y, on compte au pire. On va commander, on sait pas combien de produits. On sait pas. Bref, commençons tout de suite, putain. Voilà. Je présente mon swap. Non, je rigole. Vas-y, c'est parti. Regarde des spaghettis. Oh, ah, chaud. J'ai l'impression d'être... Attends. C'est Noël. Regardez donc, comment... Donc on va commencer avec le premier produit qui est le beef jerky. Donc je pense que vous connaissez. Beef jerky. C'est du bœuf séché. On a pris Sweet and Hot de Jack Links. Donc je pense que c'est assez connu sur leur site. Ouais, bah moi j'avais déjà testé les beef jerky mais genre nature, genre sans rien. Là c'est hot. Et je me suis dit cette fois je vais prendre avec des épices parce que la dernière fois c'était bof. Alors. Oh la vache, ça sent le saucisson. Ça sent exactement le saucisson, mais c'est le saucisson mais craché. Ouais, ça sent les boucheries. Vas-y. Je le sens pas. Moi j'adore ces trucs là, donc je suis sûre. 2, 3. C'est du carton le truc. Mmh, j'adore. Moi j'adore. Trop bon. Ah, non, je m'en prends, putain. Ah, trop bon. C'est bien meilleur avec des épices. Ouais. Ils disent hot, mais ça va. Non, c'est pas hot du tout. T'as les petites épices à la fin. Ouais, on sent les épices, mais c'est pas hot. Non, franchement, c'est pas mal parce que moi j'avais goûté les natures, tu sais, genre les normales. Et c'était bof, bof. Et là, je trouve avec les épices. Bon, en fait, c'est comme de la viande de grison, je sais pas si vous connaissez. C'est mais quoi, en plus épais. En fait, c'est la même chose. C'est quoi la viande de grison? C'est de la viande, même couleur, mais en tranches très très fines. Et là c'est... Bah là, c'est elle me vend son produit avec un nappage de caramel avec un coulis de... Non mais c'est la même chose mais en plus épais on va dire. Voilà. Ça. Super. Ensuite, des Pringles à la pizza. Pizza. J'avais goûté. Ah moi j'ai déjà goûté, c'est pas mal. C'est pas mal. Il y en a pas en France. Je m'attends même pas, il bouffe, il s'en fout. Trop bon. Ah. Oh. Je sais pas quel goût c'est. Je sais pas si je connais les petits encas qu'on mange en aperitif. C'est Louis XIV la meuf. Non, tu sais, les petits trucs qu'on prend en apéritif, c'est des mini pizzas rondes, c'est des petites pizzas. Bah c'est ce goût là mais en goût de chips. Ah ouais, les petites pizzas ouais. Tu sais les fausses pizzas, tu sais ouais. Les ouais. Ouais. Mais c'est grave bon. Mais ça n'a pas vraiment le goût de la pizza. Ça a le goût de la pizza. Mais sans être de la pizza quoi. Ouais. C'est une pizza mais pas les pizzas margherita ou les trucs qu'on prend d'habitude. Non, c'est grave bon. Ouais. T'as pas soif? Donc maintenant on passe au prochain produit. On a soif donc on va prendre du Fanta à la grappe. C'est original Fanta. Ouais, moi j'ai jamais goûté. Le packaging est vraiment top. Alors j'adore vraiment, c'est pas cher. 150€, ça vaut le coup. Voilà. Oh, c'est violet carrément. Regarde. Ça doit être bourré de colorant. Ah, mais c'est. Comment ça s'appelle? Ah. Avec des bulles? Oh, bah Fanta, c'est avec des bulles. Oh, ça a le goût des nerds. Ça a le goût des nerds. C'est quoi des nerds déjà? C'est les Wonka là. C'est les nerds. J'avoue, mais ça a le goût de bonbon. Ça a le goût de nerds. Mais c'est trop bon, net. Mais ça se voit que c'est pas naturel, c'est chimique, tu sais. Ouais. Ah non, c'est une tuerie. Une tuerie. Ah, c'est grave bon. Vas-y, pose là-haut. Ouais, vas-y, on garde ça, ouais, si on a soif. On a soif. Alors, vas-y. Soit à gauche et moi à droite, hein, parce que j'aime pas les pâtes des autres. Non, t'inquiète.
Ensuite, des Goldfish Color. Ça, ça doit être bien chimique parce que des chips multicolores, merci quoi. En gros, c'est des petits poissons goût cheddar. Donc, c'est assez original. Et voilà, vas-y. Goût cheddar, ça doit être fort en cheddar, ça, non? Non, mais je. Elle est aux toilettes en plus! Vas-y. Ça ressemble à quoi? Ah bah tiens, montre, attends. Voilà quel goût. Enfin, voilà quel aspect ça a. Moi j'en prends deux. Il y a un petit goût à la fin, mais c'est genre. Tu sais, les genres de tuques. C'est des tuques. C'est voilà, des tuques. Des trucs, mais il y a un petit goût de cheddar vite fait. Ouais, mais en fait, tous les trucs, il les revisite. Ouais, il rajoute leur petite touche, tu sais. Fromage. C'est pas mal, mais c'est pas ouf. Non, c'est pas ouf. Enfin, c'est pas ce que je mangerais. Ouais. Tu peux pas proposer ça à tes invités, quoi. Ouais. Enfin, un peu de chief, un petit poisson. T'as ton goûter d'anniversaire. Je t'invite à ma boum. Oh, arrête de bouffer si t'aimes pas ça. Le mec, c'est pas ouf. Hein, t'es pas ouf. Oh mon dieu. Non, chine. Ah. Vas-y. Attends, mais il y a un papier au fond. Vous avez gagné 3000 euros. Non. Le prochain produit, donc c'est, je pense que le produit qui est le plus réputé sur les sites américains. Ouais. C'est le Fluffy Stuff, donc cotton candy. En fait, c'est des sortes de barbe à papa. Ah, on dirait de la laine. Ouais, c'est de la laine. Vas-y, prends. Pourquoi on n'a pas de rouge, nous? Et nous ont arnaqué, il n'y a pas de rouge. Il n'y a pas de rose. Oh là. Oh la vache. Oh, c'est grave bon. C'est la vraie papa. La vraie, merci. La vache. Ah, c'est. Papa. J'ai un peu l'impression de manger un tapis. Ouais. Non, c'est ce qu'on a. J'ai l'impression de manger. La panne, la matière. Des poils de chien. Non, là. Attends, je m'étouffe là. Là. C'est très sucré. Sans croquer, juste comme ça. Des poils de chien. C'est la moquette de mamie. La moquette. Non. Soyons sérieux. C'est grave bon. Ouais. Grave, grave bon. Après. C'est pas les mêmes barbes à papa que dans les fêtes Warren. Ouais, mais tu vois, rien que le petit bout que j'ai pris là, je suis déjà calée. Hein. Ouais, moi aussi. Je pourrais pas bouffer ça tous les jours, quoi. Ouais. Une fois de temps en temps. C'est bien parce que ça tient. Tu en prends juste très peu et ça te. Fini. Ah, j'en veux plus. Moi non plus. Ah, mais j'en veux plus. Remets le papier. Ensuite, on a pris des Oreos mini au peanut butter. J'allais à San Francisco. Je mangeais ça, mais tout le temps, c'est grave, grave bon. Tu vas voir. Tu as déjà goûté? Ouais, non, jamais goûté. Ouais, grave bon, ça se présente comme ça, c'est des petits. Bon, ils sont un peu déformés. Bien, peanut butter, hein, t'as vu, c'est trop bon. Mais en fait, le peanut butter il est léger, genre c'est pas un truc hyper fort. Quand même, si faut aimer le peanut butter quoi. Ouais. Mais si t'aimes pas le peanut butter. Mais c'est pas hyper fort, genre on sent plus le chocolat. Ah oui, peanut butter, c'est un petit peanut butter, mais c'est de la. Comment ça s'appelle? Beurre de cacahuète. Voilà. Non, c'est grave bon. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est Dana qui m'a convaincu parce que moi j'ai jamais goûté le fluff, mais genre fluff au chamallow normal. Et là. Et elle m'a dit non, mais Jules, on voit tout le temps ça sur YouTube et tout. Goûte, test à la framboise et tout. Donc on va tester. Fluff framboise. On va tester, pourquoi pas. Mais moi je veux goûter le vrai fluff. Hein. Ah, j'en ai chez moi, t'inquiète. Ouais, t'as intérêt. Ah. Bah tiens, prends là-dessus. Ouais, on prend là-dessus. Comme on est des clochards, on n'a pas de cuillère, donc on va faire avec les petits doigts. Là. Attends, on goûte en même temps. 1, 2, 3. C'est dégueulasse. Ah non, c'est pas mal. Ah, c'est dégueulasse. Ah non, c'est pas mal. Ça a le goût d'un médicament. Des médicaments, la phrase que je prenais quand j'étais petite. Attends. Ouais, c'est le truc qu'on buvait. Non, mais arrête là, tu vas les dégoûter alors que c'est grave bon. Non, c'est grave bon. Non, c'est bon. Ah non, mais en fait, c'est un yaourt à la framboise. Mais genre un mousse au chocolat, c'est trop bien. Tu préfères le fluff normal ou à la framboise? Normal. Mais après, c'est pour tester. Est-ce que quoi. Tu conseilles à nos internautes? Je sais pas. Après, si vous aimez vraiment la framboise et les médicaments, allez-y.
Merci. Non, mais les médicaments, mais n'importe quoi, c'est grave bon. C'est 3 ans après qu'il réagit. Non, pour de vrai, c'est grave bon. Enfin, c'est pas grave bon, mais c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal, mais rien ne dépassera le fleuve normal. Bah ouais. Ouais, je rajoute pas l'éclairage, hein. Juste en test. Si. Attends, on a changé de luminosité parce que là, dans les nuages, il faut n'importe quoi. Voilà. Donc, je pense que c'est mieux. Donc, maintenant, ouf, ça m'intrigue ça. Ouais, ça on connaît pas du tout, j'en ai jamais entendu parler. Angry. Fruit gummies. Ça doit être sort des petits nerds, mais. Des Skittles. Je pense que c'est des. Les petits nounours, tu sais, les petits nounours en gélatine. Tu sais, les Haribo. Bah, c'est ça, ouais. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. Oh merde, on est mal tombé, voilà. C'est des... Ah, c'est des petits Angry Birds. Oh putain, je veux goûter un rouge et un bleu. C'est des petits Angry Birds. Les rouges et les bleus, c'est toujours les meilleurs en fait. Oh, c'est dégueulasse. Ah, c'est hyper chimique. On dirait des trucs non, c'est pas bon. J'aime pas du tout. C'est hyper chimique. Pas bon. Trop pas, c'est dégueulasse. Ouais. Mais arrête de bouffer, le mec il bouffe. Ça, ça non, franchement, ça va conseiller. Ok, donc maintenant on va passer au Kazoozles. Kazoozles, bref, c'est de Wonka. Donc ça a l'air d'être. C'est au Cherry Punch. Putain, ça doit être dégueulasse. C'est quoi Cherry Punch? Ouais, c'est ça. C'est ça, mais le chéri là autour. Ah, à l'intérieur. Non, un croûton. C'est une chérie. Mais ça, t'as l'impression de manger du plastique. La matière est un peu. Élastique. Élastique, mais. Croûton. Donc voilà, on va tester ça. Non, pour le là, maintenant ça. Mais j'ai pas de truc comme ça, faut que je trouve, prendre un couteau. Pourquoi ça ton, tes parents, ils prennent jamais de bière. Ils vont faire de l'alcool, mais pardon. Non, on va faire avec les dents. Ah putain, mais tu vas te bousiller les dents. À la boisson Jelly Belly Strops. Alors, j'explique mon petit truc. Vous savez, le Doliprane, où on était petit, on tirait le truc ouais, à une mesure seringue, là. Et après, ouais, la seringue, et après, on mettait dans la bouche le truc à la fraise Doliprane. C'est ça. Ça sent ça. Ouais, ça sent ça. Vas-y, un petit peu. La vache. Pourquoi tu veux juste que c'est bon? En fait c'est bon. Et c'est pas bon. En fait c'est bon mais c'est pas ouf. Genre c'est... Quand tu rentres chez toi tu te dis ah j'ai soif, tu prends pas ça quoi. Ah non ça c'est sûr. Même quand t'as... Non. C'est pas mal, vite fait. Quoi? Donc quand... Alors au deuxième. On a fait de me baisser. Donc là on a acheté des Reese's, vous connaissez Reese's tout le monde. C'est des Skittles un petit peu mais en forme de goût... Peanut butter, excuse me. Okay, right. So today we are to start. Oula, j'ai beaucoup d'amis moi. Et en fait, c'est une forme de M&M's. Mais c'est des M&M's. C'est des M&M's. M&M's, mais dedans il y a un petit goût de peanut butter. Vite. C'est des M&M's. Alors ça, c'est. Ça. À la fin de la vidéo, on finit. Après, alors, des pop rocks cotton candy. Donc c'est les petits trucs qui pétillent dans la bouche. Je pense qu'on va s'amuser avec ça. Donc ça c'est des trucs qui pétillent dans la bouche. Ouais, ce coup par contre. Faire descendre. T'imagines c'est un truc qui se met dans l'eau et tout. Mais c'est pas un truc qui fait de la barba baba. J'avoue. Il y a une barba baba dessus. C'est un truc qui fait de la mousse quand tu le manges. Vas-y attends. Ça se trouve, tu sais, tu bouffes, tu te transformes. On dirait la bouffe qu'on a le poisson. On dirait la. C'est petit. Vous entendez ou pas? C'est des crépitements de feu. Vas-y, un, deux. Attends. J'adore. Un gros bizarre. Ah non, mais je l'ai eu. Ah ça va dans mes oreilles. Non, dans le ventre. On va faire des crépitements dans le ventre. Non, on va se transformer non. Ça va marcher. Cyclope. Dana Touch va se laver les mains. C'est faux. Putain, The Voice, oh, la ligne. Putain.
Ah, je suis sûre là, t'as Florent Pagny qui se retourne pour moi. Chopin normal qui est. Ou pas, ou pas, ou pas. Ensuite, on savait même pas ce que c'est. On vient d'apprendre que là, c'est des chewing-gums. Mais sur le site, on comprenait pas ce que c'était. Ouais. Du coup, on a dit on va tester. C'était juste pas si hein. On dirait des Doliprane. On dirait des Doliprane. C'est pas des chewing-gums, ça. Ça se présente comme ou ça. Ça se trouve, ça se transforme peut-être en chewing-gum après. Faut sucer. Ah oui, c'est pas un chewing-gum. Oh, j'ai des petites pastilles. Ouais, des petites pastilles. Ouais, c'est. Oh, je sens la soupe à la fraise qui coule dans ma gorge. Rôti de poulet avec potette au beurre. Et la tarte à la myrtille. Tu connais pas ce Willy Wonka? En vrai, ça se transforme en gros myrtille. Ah non. Quelle télé. Trop bon. C'est très fruité. Hein. Très fruité, mais. Mais je pense, si tu pues de la gueule et t'as un rendez-vous avant, tu prends ça, c'est parfait. Ouais. Après, le mec, il aime les fruits, hein, parce que. Ouais. Il aime pas les fruits, c'est la merde. Désolé, je viens de prendre un milkshake. J'espère que t'aimes les fruits. Hein. Ouais. Donc, on va passer maintenant à des bubblegum. Donc, goût fruit, je pense écrit fruit twist. Et donc voilà, c'est assez particulier. On finit sur des chewing-gums, c'est le dernier produit. Après, on va se gonfler. Ah, c'est bleu! Oh, oh non, j'adore quand c'est bleu. Ah, mais attends-moi. Ah, hyper mou. C'est mou? Ah! C'est le goût melon. Ouais, c'est pas mal en fait. Au début, beurre. C'est melon. Prends tout. Ah, c'est trop. Ouais, viens faire un petit jeu. J'ai kiffé la plus grosse bulle. Ok, bah attends, parce que c'est pas un coco de rapide. Ouais, on prend notre dingue. Vous savez, si on mange la blueberry, ça, mais c'est trop gros. Ouais. Andrea. Cachana sur Facebook. Non, tu connais ça. Non, tu connais ça. Mais personne ne connaît. Mais tout le monde connaît. Mais non. Si. Mais non. Ouais. Andrea. Cachana sur Facebook. Alors, ce qui paraît, tu parles de moi. Hein. Alors, ce qui paraît, tu t'es fait blonde de pétasse. Tu dis patati. Patata. Pas très grosse bulle, hein. Ah. Par contre, c'est un chewing-gum. Ça garde le goût, mais. Trop gros. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à commenter, à partager, à nous suivre sur nos réseaux sociaux, sa chaîne en barre d'infos. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye! Bye.